Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 15e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et ben voilà, grosse baston, grosse baston, on va faire du 306 contre 30, et ça commence fort, ça commence très très fort. En fait là on essaye de battre le royaume de Swadi, et pour l'instant tout ce qu'on fait c'est des bastons, plutôt impressionnantes d'ailleurs. On est à combien? 33 plus 9 contre 21. Ça va être très 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 drôle. Alors par contre vous avez reculé de 10 pas. Même plus que ça, vous avez reculé de 20 pas. 30 pas. Alors, est-ce que vous allez arriver à en tuer quelques-uns d'ici? Parce qu'il pleut des flèches. Oh la vache, raté. Mauvais timing. Hop. Alors. Ça c'est bon. Aïe. C'est bon. Les mecs, besoin d'aide. Y'en a qui me poursuivent. Ouf. Y'en a qui s'est fait avoir. Quoi? Je l'ai même pas tué? Il y a des renforts qui sont arrivés. Ils ont vraiment des sacrés chevaux. Il faudrait que j'en ai aussi des comme ça. Ça, c'est le genre de mecs qui font pas long feu. Boum. Ah mais vu les dégâts que je fais au cheval aussi. Hey, il reste du monde. Chargé. Voilà. Oh. Comment il a fait pour éviter ça? Et bam! Ça c'était bien géré tout ça. Aucune perte, 28 blessés, des tués. Et bam! Donc on peut recruter des gens. Ah, capacité atteinte. On commence vraiment à avoir une sacrée famille. D'ailleurs, ça commence à me coûter très très cher. Ça commence à me coûter très très cher. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Comte Guerlain, il va où? Tu. Ok, d'accord. Ok, d'accord, il ne veut pas accepter le conseil. Pas sympa. Alors, là, ça se bastonne. Ça se bastonne encore, c'est 17-31 contre... Ah ouais, non. Pas contre 26 plus 47, soit à peu près 60, voire un peu plus. 70 et 112, ça fait 180, et bon, j'ai que 67 gugus. Désolé, mon vieux. Voilà. Et des grosses bastons un peu partout. Ouais, on pourrait se faire une méga baston, les mecs. Allez, vous abusez.
Ils sont pas drôles. Bon, bah moi je vais aller faire mes affaires ailleurs. Ils sont pas drôles. Non, budget hebdomadaire. Évidemment, Pagundour n'a aucun revenu. Et là, normalement, je devrais pouvoir protéger un peu mieux les villes. Enfin, les villages. Ok, c'est bon. Et le troupeau de bétail, là. Et la vache, mais il y a des pierres partout, là. Alors. Vendons 2-3 trucs. Bon là je peux. J'ai plus grand chose à vendre. Ça fait toujours un petit peu d'argent. De poche. Ah du coup je sais pas trop quoi faire. Peut-être qu'on va aller du côté de Nemeja. Le problème c'est quand on va là-bas. Disons que. Dès qu'on fait une baston, on est obligé de rentrer, vendre des trucs. Et ça prend du temps. Alors j'espère qu'on va pas se faire reprendre le château. Ouais, c'est possible. Ah, j'aimerais bien avoir un second fief. Groupe d'ennemis de taille moyenne. Je veux juste voir statut du PNJ avec. Je suis ami avec Roi Gravette. Ok. Lord. Guerlu, je suis à 2. Il faudrait que je le monte. Pour pouvoir lui donner des conseils d'attaque. Il faudrait que je fasse des missions pour lui. Ce serait cool. Alors. On va voir ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a Balani. Si on est du côté de Balani. Piller un peu. Ah, il faudrait que je rançonne les mecs aussi. D'accord. Comte Garluche. Ok, d'accord. Il est où, Comte Garluche? Est-ce que tu sais où il est? Faut que je rejoigne sa campagne militaire. Alors... Château d'Erguelon. Erguelon, Erguelon, Erguelon. C'est là-bas. Évidemment, c'est de là d'où je viens. Ah, allez, direction château d'Erguelon. Là, le maréchal nous demande. C'est un maréchal, nous voilà. On va chanter... un petit discours. Enfin, on va dire un petit discours, tout ça. Petit groupe d'ennemis repéré. Quoi? Mais. J'étais censé venir et il annule la quête. Oh, attendez, c'est quoi ce collègue? La quête que je viens de recevoir il y a 2 secondes, annulée. Pouf. Je trouve ça drôle. Qu'est-ce que tu fais toi? Ok. Comment ça notre royaume n'est pas davantage... Enfin notre royaume n'est pas en campagne. Bien sûr que si il est en campagne, non? Alors attendez. Il y a un truc qui a dû m'échapper. La trêve expirera dans 4 jours. D'accord, il y a eu une trêve. Et j'étais pas au courant. Ce qui veut dire que je peux aller rendre cette quête, faut que j'aille à Suno, qui est ici. Bon bah allez hop, direction de Suno. D'accord, c'est la trêve, elle est apparue au moment où le maréchal il a dit oh, si on allait attaquer les gens. C'est tout à fait normal.
c'est tout à fait normal. Alors, direction Suno. Il faudra que je rançonne ces mecs. Alors, je vais pas assiéger le bourg. Ah merde! J'ai foiré mon attaque. Énervé. Je vais sortir, je vais sortir. Non mais je veux sortir, merde. C'est quoi cette connerie? Je veux juste rendre une quête. Non mais c'est idiot là. Oh. C'est quel crétin. Assiégé, tiens, on va aller du côté du Skal, il faut vraiment que je me refasse. Oh non mais c'est crétin, je viens de perdre 1500 deniers d'un coup quoi. Et merde. Ok, 67 contre 30, je pense que ça peut se faire. Chaud. Laissez-moi descendre. Ok, ça c'est bon. Zéro mort de mon côté. J'ai cru que ça allait partir en cacahuète, mais en fait j'ai tellement des mecs absolument énormes, ils sont tellement forts qu'ils défoncent tout, aucune perte. On va pouvoir capturer des trucs. Ah, il faut que je revende tout ça parce que sinon j'aurai jamais de quoi me refaire des sous. Alors là par contre faut que je me tire d'ici. Parce que j'ai genre une grosse armée qui me ponce dessus. Alors on va aller du côté du Skal, mais pas en passant par là. Passer par Yarangar. Oh là là. Je suis dégoûté là d'avoir perdu 1500, voire plus deniers, même pas 1600 deniers d'un coup en quelques heures. Ça m'a séché. On va passer par là. Alors, Euskal. Si on se chope la grande ville... Ah! Alors. Non. Alors, il est où le comte Guerlain? Guerluche. Quelqu'un pour capturer un des nobles seigneurs de Swadia? Ça y est, j'en ai déjà un. Allez hop, 2000 deniers. J'ai atteint le niveau 16, 2500 points d'expérience. Que faites-vous, vous et vos hommes? Ok. Ok, c'est bon. Attendez. Il y a le roi aussi dans le coin? Roi Gravette. Ok.
là, attendez. Augmenter les machins. J'ai parlé avec pas mal de gens, c'est compliqué. J'ai obtenu 2000 deniers. Pas mal d'XP, il faut que je monte mes persos. Ah, j'ai plein de trucs à faire. Mais je commence à avoir des... des persos tarés quand même. Des persos de gros tarés. Ok. Moi. Ma force. Qu'est-ce qu'il faut que j'augmente? Les soins des blessures, sa vitesse de guérison, c'est pas mal. Allez hop, soins des blessures. Donc on va assiéger le... Là ils ont tous attaqué d'un coup, je trouve ça énorme. Allez, on va rejoindre le prochain assaut. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on est à combien contre combien? 28 contre 29. Poussez-vous, je veux passer. Je veux aller taper. Mais poussez-vous, poussez-vous. Ah, pousse-toi, 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 pousse-toi. Ah, tiens, va te faire. Ah. Non mais sautez là, vous... Ou alors je sais pas, mettez plus d'échelle, mais là c'est. Pour l'instant c'est débile ce que vous faites. Et non, 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 tu me mets pas en dehors. Et comment ils veulent que je monte là? Voilà, pousse-toi le cadavre. Faites tomber des cadavres. Aïe, mais non, mais arrêtez de me viser moi. Visez d'autres mecs. Il y a d'autres mecs qu'à viser. Allez, pousse-toi contre tel rogue. Alors là c'est le passage bizarre. On se demande ce qu'on fait en permanence. Wow, je suis en plein milieu de la mêlée. La vache, ils sont forts les mecs. Hein. Aïe! Je commence à avoir vraiment mal. Il y en a encore plein à voir. Ils sont genre combien en face? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça commence à faire vraiment beaucoup de mecs. Alors je parle pas beaucoup parce que je suis concentré encore une fois. Je vous mets au défi de faire des bastons comme ça en parlant en permanence pour commenter ce qui se passe. Ah la vache, les flèches à la noix, c'est très casse-pied. Aïe! Là, c'est vraiment les flèches qui me font des dégâts. Y'a pas un mec qui arrête pas de tirer ici? Voilà. Allez go! Tiens, il y a le roi gravette ici. Si on pouvait choper la ville après en sortie, c'est à dire dire qu'on peut la prendre, si on pouvait l'avoir en tant que fief, ça serait énorme. Non, c'est pas le moment. Voilà, voilà. Dans ces moments là que je regrette d'avoir instauré la limite de 20 minutes histoire de faire des épisodes pas trop longs.
cas, c'est... Il reste vraiment plus beaucoup de vie. Allez, avancez, parce que j'aime pas les... Mais c'est bon, c'est un tirailleur. Les mecs, ils avancent pas juste parce qu'il y a un tirailleur. Eh non, mais poussez-vous. Eh, pousse-toi là, arrête de... Bouquer le passage. Badass. Un mort pour nous, 20 pour nos alliés, 2 et 100 en face, quoi. C'est monstrueux. Vous avez percé les remparts du bourg, mais ces défenseurs obstinés continuent de vous tenir tête dans les rues. Vous devez vous occuper d'eux avant de pouvoir attaquer au donjon situé au cœur du bourg. Hé, hey, 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 j'ai plus beaucoup de vie, moi. Ok, ça, ça va. Ça, ça va. Genre, il y a 3 Pékins qui se courent après. Quoi ? Il y a quand même un là-bas. Voilà. Viens là. Ça c'est bon. Il en reste un. Il y en a deux là qui se font face à face. Je vais essayer d'approcher doucement. Espérons qu'il ne me vise pas trop. Oui! GG. Bon, un tué en perte alliée, c'est pas très grave. Vous avez pris le centre du bourg, mais les défenseurs restants sont entranchés dans le château. La chute, sa chute sonnera à votre victoire. Cherche pas, c'est moi le plus fort. Je suis Conan le barbare, putain. Ouh, aucune perte. Allez, on a le... On a le... machin. Alors... On a capturé Uskal. Oh non! J'allais dire, je voudrais bien le fief, mais il n'a pas envie. On a Uskal, bordel de noisetier. Bordel de noisetier. Alors, contre Gerlu. Allez, supporte-moi. Ah, très intéressant. J'aime bien. Ah, très intéressant. Je suis pour que Uskal me revient. Ça, c'est très intéressant, c'est génial. Oh la vache. On a géré comme des bêtes. Comme des bêtes à Uskal. Toc. C'était à taverne, est-ce qu'il n'y a pas un rançonneur? Scal de nomade, non. Pas de rançonneur. Ça y est, tout le monde se barre. Tout le monde se barre, mais là pour l'instant le royaume des Rodok s'est agrandi, mais genre truc énorme. Ce qui me fait penser, je vais retourner à voir à Panmundur comment ça se passe. Et je pense qu'on va arrêter là cet épisode. Parce que voilà, ça fait 20 minutes. Et en même temps, là, on a fait vraiment de la grosse, grosse baston qui tue. Et j'en suis très content. J'en suis vraiment très, très content. Il y avait pas mal de pillages. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. On augmente le royaume des Rodok. On a même une nouvelle ville. Une nouvelle grande ville à nous, plusieurs châteaux qu'on a récupérés,
Le royaume de Soria commence à se diviser en deux, là. Si on arrive à le couper en deux, ça serait cool. Il resterait plus que Dirim et Suno et Praven. Alors, gérer. Le moulin sera fait dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. Donc, 42 jours. C'est encore long, mais c'est pas très grave. Voilà. Bah, tout se passe bien. J'espère qu'on va pouvoir arriver à faire nos objectifs de saison. Je rappelle, c'est avoir 100, une troupe de 100 individus. Donc pour l'instant, ça rapproche bien. Posséder deux fiefs, construire quatre bâtiments, posséder un château ou une grande ville, recruter 5 héros. Pour l'instant, on a 2 héros, un fief, pas de château ni de grande ville. On a 66 individus dans notre groupe, ce qui est absolument énorme, hein, j'ai envie de dire. Pour l'instant, vraiment, tout se passe bien. Je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. En tout cas, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, à la prochaine. Salut à tous!